mon coach. Donc du côté de Jérusalem, c'est Joël Alpalo. Le match sera arbitré par
moi Didier Stivater, donc entraîneur de Tease. Donc une défaite vraiment dans les dernières secondes, une grosse déception ce soir parce que vous faites une première mi-temps un peu mauvaise, mais une très bonne deuxième mi-temps et vous revenez, vous inquiétez vos joueurs, vous leur faites peur. Alors je voudrais avoir un peu vos commentaires sur le match. Dans un premier temps déjà je voudrais dire qu'on est arrivé quand même à 8 joueurs, donc même avec un meneur de jeu, le seul meneur vraiment digne d'être meneur qui se blesse au genou, donc n'a pas joué du match. Donc on fait le match quand même à 7, avec Ben qui joue meneur, c'est pas du tout son poste. Donc bon, bah, le temps de trouver nos marques en première mi-temps, on a pris un creux phénoménal. En plus, notre pivot sur qui on comptait beaucoup, Flo, n'était pas dans le match. Par contre, en deuxième mi-temps, bah, on redresse complètement la barre, le système passe mieux, on défend super bien. Voilà, pour le résultat, on finit à 3 points. Bon, je ne vais pas critiquer l'arbitrage, mais on n'est pas là pour ça. Je pense qu'il y a quelques petits sifflets quand même un peu délicats, mais bon, ça n'explique pas tout. Bon, après, voilà, je pense que Bezoul est à sa place sur ce match. C'est vrai que je me repose sur ce match-là, mais honnêtement, cette équipe-là n'aurait jamais été à ce niveau-là comme un championnat pareil. Donc, je dirais qu'il y a une certaine justice, mais bon, moi j'en regrette beaucoup parce que là, mes joueurs ont tout donné. Et ouais, sur des matchs comme ça, il y a du coup avoir beaucoup de regrets. Mais bon, on n'est pas mort, on se rencontre l'année prochaine, t'inquiète pas. D'accord, voilà, merci. Donc avec moi, Johan Akbalé, donc entraîneur de Vesoul. Alors Johan, sur ce match, une très bonne première mi-temps. Ensuite, sur la deuxième période, Tease revient à égalité. Et là, le match devient plus tendu, jusque vraiment dans les dernières secondes. Alors, mais finalement, vous gagnez quand même 73-70, donc un gros soulagement pour toi. Jacques, si tu peux me dire un peu déjà sur ce match, sur l'ensemble. Ben, déjà, on s'était fixé comme un but de gagner les trois derniers matchs. Donc Valentinier, Belfort et Tease. On savait très bien qu'en arrivant à ce niveau-là avec Tease, qu'ils allaient tout donner. Donc effectivement, en première mi-temps, on avait plus 17 et tout d'un coup, on s'est relâché. Ça a été fréquent dans la saison où, quand on est devant, on se relâche. Même quand on joue contre des équipes supposées être moins fortes que nous, on ne joue pas. Donc on n'est pas assez constant. Mais en défense, une fois qu'on a resserré ça et qu'on a arrêté de parler après l'arbitrage, ça s'est bien passé, mais des grosses frayeurs, quoi. Et ça fait plaisir de voir un beau shoot à la fin. Et finalement, la saison s'arrête sur une bonne décision d'altruisme où on ressort un ballon avec un très bon shoot. Donc ça, je suis très fier des gars. Ils ont bien assuré. Et maintenant, il faut voir. Maintenant, donc voilà, on attend les résultats de Dole et de Valentinier, que je n'ai pas encore. Mais ça a été une saison très dure par rapport aux blessures et tout ça. Mais on a su tenir le cap et surtout gagner les trois derniers matchs. Et le match de Belfort était mémorable. Quoi. Donc on est fiers, je suis très fier des gars et tout le monde, le club est resté derrière le groupe. Ça fait plaisir ça. D'accord, eh ben, merci Joël. Je t'en prie.